Yo YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 4 et le premier boss de Super Mario Wonder. Allez, c'est parti. Difficulté 3 étoiles. L'effet 3D comme ça, franchement c'est pas mal. L'effet 3D, voilà, j'aime bien. Oh, c'est des petits Goombas. Wesh, what? Ok. Oh, l'éléphant, let's go. Let's go, il y a l'éléphant. Blague. Ah voilà. Allez, c'est bon, on l'a eu. C'est bon, les gars. Il y a carrément... Je sais pas si vous allez voir derrière, mais on voit l'ombre du coup de Mario. Le change de détail, franchement, il est magnifique. Wow. Et comment c'est beau. Bon bah, tant pis, hein. On va prendre ça. Hein. Franchement, graphiquement, c'est magnifique, les gars. Vous croyez que vous allez m'arrêter? Bon, c'est d'accord. Je veux bien jouer avec vous. Ce palais est tout plein de la puissance prodigieuse de mon papounet. En gros, vous avez aucune chance de me battre, mais je vais vous laisser essayer. Ça va être rigolo. Oh putain. Paf, sur les fesses. C'est tout petit. Oh putain. Ah bah let's go. Ah bah c'était facile, dis donc.
Bon, ouais, c'était plutôt facile. Pas mal le premier château, quoi. Nos héros avaient enfin repris le contrôle du palais. Tenant fermement la graine royale, ils se mirent à poursuivre Bowser qui avait fusionné avec le château. Pourront-ils empêcher Bowser de mettre à exécution ses plans diaboliques? Un peu plus loin se trouve le cœur du royaume des fleurs, un archipel qu'on appelle l'île florale. Ok, tâchons de rattraper Bowser. Oh, franchement, sympathique. Île florale. Bowser ne doit pas être bien loin. Wouah, c'est quoi ça? Oh oh oh. Les nuages, Piranha, ne laisse passer aucun empêcheur de tourner en rond. Ce qui veut dire que j'ai tout le loisir de canaliser la puissance prodigieuse. Dès que j'aurai amassé de quoi faire un grand prodige, je pourrai enfin faire main basse sur le monde. Mouhahahahaha. C'est épouvantable. Je ne peux vraiment rien faire pour l'arrêter. Oh! Mais que se passe-t-il? En moi. Hein? Mais où est parti mon nuage, Piranha? Qu'est-ce que vous avez fait au sujet? Toute cette puissance avec une graine royale seulement. Eh ben, la voilà notre solution. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais est-ce que tu pourrais m'aider à récupérer d'autres graines royales? Ce sont des trésors du royaume des fleurs. Je le crois bien que c'est grâce à elles qu'on va le sauver. Les graines royales changeront les nuages piranha qui entourent Bowser. Chassons-les tous et on pourra l'atteindre. Hourra! Merci. Très bien. Allons au palais situé au sommet du mont Nebulu au nord. Ok. On devrait y trouver une graine royale. Ok, let's go. C'est ce qu'on va faire. Graines prodiges obtenues. Ah, mais ils sont orange maintenant. C'est bizarre, ils sont orange.
Oh. Bon, en vrai, on va faire ces 2-3 mondes là. Ces 3 mondes. Et après, ben. Défi badge cous. Oh. Maîtriser. Ok. Quoi, faire la course contre eux. Ok, j'en ai une. Faut pas contre eux. Bon, on avait compris quoi. Excusez-moi si vous entendez du bruit, les jeunes qui foutent le bordel là. Excusez-moi. Ok, donc là on a le. Stage terminé. Ok, donc on a les trucs du dauphin là. Ok. Beau travail. En plus, on a reçu le badge que tu viens d'utiliser. On va faire celui-là. Franchement, moi j'aime bien ce petit. La petite animation qu'on reçoit. Quand on débloque. Ah bon là c'était sûr qu'il y avait quelque chose là. C'est la deuxième, on a loupé la première, c'est pas grave. Ok. On va faire ça comme ça. Ok. Donc là. Ah bah oui. Va passer loin de moi là. Ok, on les a tous. Ok, c'est bon. C'est bon ça.
Ça, c'est bon. Oh non! Allez, fabuleux! Allez, on va faire celui-là. Et on va se tester sur ça. Allez, c'est parti. Ouais, non, je rigole. Vous croyez que j'avais pas vu la petite fleur là-bas? Ah, les tuyaux. Oui, les petits tuyaux rouges. Faut bien rentrer dedans, quoi, pour avoir. Ah, tu m'as trouvé? Bah oui. Ah bah oui. Là faut l'éléphant là. Il faut l'éléphant. Malheureusement. Ok, donc on va passer là. Je crois que j'ai raté un truc, mais je suis vraiment pas sûr. Ouais, ouais, bon. J'aurais raté quelques trucs, c'est pas grave. J'ai raté une graine. Excusez-moi. Pour tous les bruits désagréables que certains jeunes font là actuellement dehors. Oh là là, j'ai vraiment eu peur. Normalement, les oiseaux, je les regarde de très loin. Bref, après toutes ces émotions, j'ai besoin de quelque chose pour me changer les idées. Et justement, il paraît que Poplin vend un badge lié au bloc dans son bazar. On devrait aller voir ça. Tiens. Ah. Et souviens-toi que tu veux que je change de badge. Tu n'as qu'à appuyer sur R. C'est vrai que on l'a pas fait. On aurait pu, peut-être que c'est ça qui m'aurait aidé. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, qu'est-ce qu'il vend? On achète ça. On achète ça. 5 vies. Pas maintenant. Allez les gars, on va se laisser là-dessus les gars. J'espère que l'épisode 4 vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. Ah oui, et de mon côté je vais essayer d'avoir tous les trucs et tout.
Donc si on voyait que j'ai un peu plus de graines et tout, c'est totalement normal. J'aurais tout fait pour tout avoir. Bon ben, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde.